sentais un peu stressé parce que je savais que c'était un bon gardien à l'autre côté, mais j'ai trouvé la feinte que je devais faire puis ça a marché. C'est vraiment émotif. Quand j'ai scoré, j'étais plus conscient. On dirait que je rêvais. C'était vraiment, vraiment nice. Un matin, je pensais juste à la médaille d'or puis je voulais la poque. On a senti que c'est mis en mode moi, je perds pas aujourd'hui. Ouais, non. Dans ma tête, c'était pas une option. Je me sens heureux contenant, parce que l'année passée, on était allé puis on avait fini les derniers. Puis j'étais pas très content, mais cette année, on a réussi à aller la chercher en plus l'or. Avoir du support de partisans comme ça, c'est ça, ça nous, dans des moments genre plus difficiles, ça nous donne le goût de bloquer le lancer puis toutes des choses comme ça. Là, ça nous donne le goût de se sacrifier. C'est sûr que ça me donnait beaucoup d'énergie, puis c'est un peu grâce à eux autres que je me suis rendu là, puis je voulais les remercier. Une ambiance exceptionnelle. Pour vrai, j'ai joué plusieurs matchs dans ma carrière, puis une foule comme ça, je n'ai pas vu souvent. Je suis genre vraiment fière d'eux, puis comme on dirait que je me suis full attachée à l'équipe, puis genre, je sais pas, je suis full dedans. Là. C'est probablement les deux plus gros fanbases des Jeux du Québec en ce moment. L'Estrie est surreprésentée vu la région, en fait, puis la Rive-Sud aussi, c'est incroyable. Les parents sont incroyables. Beaucoup d'émotions aujourd'hui, ça fait du bien, c'est un soulagement.